Aujourd'hui, on parle du piège de l'arrêt et le double arrêt. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort et je te sors tranquillement. Voilà. Et là, je ramène mon volant tranquillement. Donc aujourd'hui, on parle du piège de l'arrêt et le double arrêt. J'ai beaucoup de questions sur les arrêts et le double arrêt, comment ça marche. C'est bon? Donc là, de loin, surtout à Montréal généralement, s'il y a un arrêt comme ça, généralement, hein, c'est-à-dire tu dois checker deux fois l'arrêt dans cette forme. Donc là, il y a un arrêt comme ça, mais quand même, je fais mon arrêt devant la. Là, je check gauche, droite, gauche. C'est bon? J'avance juste avec le frein. Tenir ça bien, juste avec le frein. Pour la voiture, elle s'échappe pas. Là, devant le trottoir, je regarde ici. Gauche, droite, gauche. C'est bon, il n'y a personne. Et là, je continue. Donc, ça, c'est le double arrêt. C'est bon? Donc, on fait le double arrêt quand? On fait le double arrêt quand? Donc, quand j'ai un arrêt qui n'est pas protégé, sinon j'ai un arrêt une seule direction, sinon j'ai un arrêt individuel, c'est bon? Donc, ici, je tourne à gauche à l'arrêt. Donc je fais l'arrêt individuel. Donc je dois arrêter deux fois quand? Là il y a un enfant donc je dois m'arrêter. Il faut arrêter comme ça au complet. Il ne faut pas s'approcher des piétons. Surtout ici il y a des enfants. C'est un quartier résidentiel. C'est pour ça qu'ils ont mis 30. Voilà. Donc là je dois m'arrêter. Je fais mon arrêt. Gauche, droite, gauche. Et j'avance pour le deuxième arrêt. Voilà. Donc chaque fois que j'ai pas de vision, je fais le deuxième arrêt. Chaque fois que gauche, droite. Bon, voilà, à droite, c'est déjà ici. Reste notre voiture. Angle mort à gauche et je quitte. C'est bon? Donc toujours gauche, droite, gauche et je quitte. Quelquefois, il y a des petits arrêts comme ça, comme vous voyez. Donc s'il y a un arrêt comme ça petite, là-bas, il y a aussi un autre arrêt. C'est bon? Donc je fais gauche, droite, gauche et je continue. Donc c'est un arrêt collectif ou c'est un arrêt protégé parce que tout le monde est en des arrêts. Donc puisque tout le monde est en des arrêts, alors je dois faire juste un seul arrêt. C'est bon? Quand j'ai juste un seul arrêt pour moi, c'est là que je dois faire la double vérification. C'est clair? Ok, ici on tourne à gauche. Ici j'ai pas d'arrêt. Donc puisque j'ai pas d'arrêt, je regarde rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, il n'y a personne. Et je tourne et là je prends la voie la plus proche parce que c'est un sens unique. Donc notre cours aujourd'hui c'est pas le sens unique. Notre cours aujourd'hui c'est le piège de l'arrêt et le double arrêt. Voilà, donc j'ai ça, j'ai le bruit, je dois enlever. Voilà. Donc on continue tout droit jusqu'à l'arrêt ici, je tourne à gauche. Ou à l'intersection, je tourne à gauche. À l'examen, il peut dire juste intersection, hein, faire attention. Donc je fais mon clignotant, on a des 50 à 60 mètres, ça dépend de la vitesse aussi et combien je roule. Donc là regardez, en bas il y a deux arrêts, un arrêt à droite, un arrêt pour moi. C'est-à-dire c'est un arrêt collectif. S'il y a plus qu'un arrêt, je dois arrêter juste une fois. Pourquoi là-bas il n'y a pas d'arrêt? Parce que tout droit c'est un sens unique et à gauche aussi c'est un sens unique. C'est bon? Donc je fais juste un seul arrêt. Voilà, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort et je tourne mon volant. Voilà, c'est bien. Donc là, je continue tout droit, encore. Voilà. Donc là, est-ce que ça a une question pour vous? Ça, c'est un arrêt protégé ou non protégé? Donc c'est protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a plus qu'un arrêt. Un pour moi, un pour l'autre. Là-bas, il n'y a pas d'arrêt, c'est un sens unique. Ici, il n'y a pas d'arrêt, c'est un sens unique. On est d'accord sur ça. C'est bon? Il faut vérifier aussi gauche, droite, gauche. J'ai en train de parler, j'ai oublié de faire ça.
Donc toujours aussi devant l'arrêt, il faut vérifier gauche, droite, gauche. Là, il n'y a pas d'arrêt, pas besoin d'arrêter. Je continue. Voilà. Donc là, j'ai un autre arrêt aussi. Ça, c'est un arrêt collectif aussi. Donc, un arrêt pour moi, un arrêt à droite. Gauche, droite, gauche. Et quand je regarde à gauche, je regarde où? C'est-à-dire à gauche, à droite, à gauche. Quand je regarde à gauche, il faut que je regarde au trottoir et au boulevard. C'est pas juste je fais comme ça pour faire, pour avoir l'examen, non. Mais c'est très important. Je tourne à droite ici. Ici, il y a trois arrêts. Lui, il est arrivé avant moi, donc j'attends. Lui, il est parti, gauche, droite, gauche, angle mort à droite et je quitte. On dit toujours arrêter 3 secondes, mais c'est pas vrai. Il faut arrêter les roues. Arrêter les roues et vérifier gauche, droite, gauche et tu quittes. C'est bon, tu peux arrêter 3 secondes, comme tu peux arrêter 2 secondes, comme tu peux arrêter. Important, arrêter les roues au complet. Donc arrêter les roues au complet plus vérifier. Pourquoi on dit 3 secondes? Parce qu'on regarde gauche, droite, gauche, c'est 3 fois. Mais important, ça peut aller 2, 3 ou 4 secondes. Donc je tourne à droite ici. Angle mort à droite. Voilà. Là, c'est fini. La lumière a changé. C'est bon? Donc l'arrêt et le double arrêt. L'arrêt simple. On peut dire l'arrêt simple. Sinon, il y a des écoles qui appellent ça l'arrêt individuel. Il y a d'autres écoles qui disent l'arrêt non protégé. C'est ça. Donc il y a l'autre arrêt qui... Quand il y a plus qu'un arrêt, ça devient un arrêt collectif. Donc on dit soit un arrêt protégé, soit un arrêt collectif, soit un arrêt toute direction. Donc si moi je dis arrêt collectif, ça ne veut pas dire que... Donc chaque école, elle choisit ce qu'elle veut. Mais généralement dans les livres, le guide de la route, apprendre à se conduire, les enseignants aussi, qui nous a enseigné ça, monsieur Armand, Normand Lacombe, que je salue, c'est un grand monsieur dans la sécurité routière. Un grand monsieur, peut-être un grand monsieur au Québec. Donc lui, il nous a appris ça, donc c'est arrêt protégé, non protégé. Collectif, individuel, c'est bon? Donc là, je tourne à droite, angle mort à droite, j'ai le vert et je tourne à droite. Donc je vais vous montrer aussi, il y a un autre arrêt qui est très important. Il y a un piège dans cet arrêt, surtout pour le nouveau conducteur et pour les nouveaux arrivants. C'est vraiment, vraiment, il y a un piège quelque part. On va le voir ici, on tourne à droite dans la prochaine intersection. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, deuxième. Voilà, regarde le monsieur, ça c'est interdit là, c'est illégal. Mais on protège le monsieur parce que c'est un usager vulnérable. C'est bon? Voilà. Parce que le monsieur il prend toute une voie et la voie c'est faite pour les voitures. C'est pas pour eux. C'est bon. Donc on continue tout droit. Donc là il y a un arrêt. On va voir cet arrêt. Il y a juste un seul arrêt en bas. On va voir juste un seul arrêt en bas. Bon, les Dodanes. C'est un quartier résidentiel, donc il y a beaucoup de Dodanes, ça c'est normal. Donc là par exemple, je tourne à droite ici. On regarde cet arrêt ici. En bas, il y a juste un seul arrêt, comme vous voyez. Donc c'est un arrêt individuel. Faire très attention. Avec les nouveaux conducteurs, ce que moi j'ai remarqué, quand il y a le plus en bas, ils pensent qu'il y a plusieurs arrêts. Donc il faut voir toujours en bas qu'est-ce qu'il y a. De préférence, il faut enlever ça. Parce que ça mélange un petit peu. C'est bon? Donc gauche, droite, gauche. On avance un petit peu. Gauche, droite, gauche. Angle mort à droite et je tourne. C'est bon? De préférence, si on enlève ça, c'est beaucoup mieux. C'est ça ce que je suggère à la ville de Montréal. Enlever les panneaux en bas parce que j'ai pensé beaucoup, moi avec d'autres moniteurs, pourquoi la raison, ils font ça, on n'a pas trouvé une raison. C'est juste ça va mélanger les nouveaux conducteurs et surtout parce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'immigrants qui n'ont pas l'habitude avec les arrêts. Donc, qui viennent de l'Europe ou d'autres coins, il n'y a pas assez d'arrêts comme ici en Amérique du Nord. Donc, il vaut mieux qu'on enlève le... quand il y a juste un petit arrêt comme ça à la croix. C'est bon? Donc là, je tourne à droite, prochain arrêt. Est-ce que ça, c'est un arrêt collectif ou individuel?
ou protéger ou non protéger. Donc de loin, je tourne à droite, client à droite, voilà, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Donc je ne veux pas deviner ça, est-ce que collectif ou individuel. Je dois voir à droite, est-ce qu'il y a un arrêt ou il n'y a pas d'arrêt. S'il y a un arrêt, ça devient collectif. S'il n'y a pas d'arrêt, ça devient individuel. C'est bon? Donc ça c'est individuel parce que gauche, droite, gauche, il n'y a personne là-bas. J'avance un petit peu, gauche, droite, gauche, angle mort à droite, et je cherche toujours la voie la plus proche. C'est bon? Est-ce que ça c'est collectif ou individuel? Individuel. Voilà, donc il y a un seul arrêt. Voilà, c'est bien. Mais individuel, mais t'as pas fait le double arrêt. C'est individuel, on fait un double arrêt, c'est vrai ou non? Oui. Et pourquoi t'as pas fait le double arrêt? Parce que la voie était libre. Ah, la voie elle était libre.